Bonjour, bienvenue sur Neltou. Aujourd'hui, on va voir comment s'occuper des poules. Suivez-moi. Voilà, ici, c'est leur poulailler. On va aller voir où elles pondent leurs œufs. Ici, c'est où elles pondent. Justement, aujourd'hui, elles ont pondu un œuf. Après, on regarde s'il y a des poussins. Après, il faut regarder s'il y a des poussins, si on a un coq. Mais quand on n'en a pas, eh ben, on n'est pas obligé parce qu'on va les manger après. Pour voir si elles sont bien ou pas, on va un peu aller les caresser. Vous voulez venir avec moi? Allez, ici, on va caresser Boulette. C'est la poulette qu'on adore. Elle adore manger, Boulette. On en a quatre ici. Après, je vais voir. Dans leur poulailler, elles entrent par un escalier pour aller aller chez elles. Puis après, elles vont chercher et picorer là-dedans. Et quand il n'y en a plus, et ben, comme il y a beaucoup de nourriture là, et ben ça va dans les trous. Allez, poulette, mange. Puis après, ici, c'est un appareil pour qu'elles boivent de l'eau. Il est un peu sale parce que, en fait, c'est de la terre. Aux poules, on peut leur donner tout ce qu'elles veulent. Regardez, du pain, des peaux d'orange, du citron. Les poules, en fait, leur vie, c'est manger. Si elles n'ont pas à manger, elles vont mourir, tout simplement. Donc, je vous conseille que si vous avez des poules, il faut les nourrir chaque jour, chaque. Maintenant, je vais vous présenter mes poules. Celle-là, c'est Boulette. Celle-là, c'est Croquette. Celle-là, c'est Madame Tomate. Et celle-là, c'est Chiclette, la tête blanche. Si cette vidéo vous a plu dans le poulailler des poules, bisous bisous, à la prochaine!